Bonjour, on est le dimanche 15 octobre. Bonjour, on est le dimanche 15 octobre. Je vous retrouve avec une tête fatiguée et des bébés cheveux dans tous les sens. C'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis début octobre, il n'y a pas eu de vlog hier et à vrai dire, j'ai pas énormément de choses à vous raconter aujourd'hui non plus, mais j'avais quand même envie de venir vous faire un petit coucou pour vous montrer mon avancée depuis la dernière vidéo et pour vous dire aussi que tout va bien, Doubi va bien, ma cheville va bien. On a passé 2 jours à Québec, c'était super cool. Je vous ai ramené plein de belles images. J'ai pas encore fait mon montage, mais j'espère que je vais vous avoir fait un petit peu voyager. Et je vous montre ma petite avancée sur le châle de Stephen West. Donc voilà, vous voyez, ça avance quand même un petit peu. Je pense que je vous ai laissé. Où est-ce que je vous ai laissé? Je ne sais plus si c'était ici ou ici. Mais en tout cas, j'ai complété la deuxième répétition du motif composé de 4 rayures. Donc il me reste 4 autres rayures à faire de ce côté-là. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, comme vous pouvez voir, pour la première répétition, j'avais ajouté une cinquième couleur et j'avais perturbé un petit peu l'ordre de mes couleurs par rapport au reste du châle. Et j'avais aussi incorporé ici ce mohair qui ne faisait pas partie de mes coloris initiaux. Mais par contre, pour la deuxième répétition, j'ai vraiment suivi exactement mes couleurs initiales, à part que j'ai rajouté un brin de mohair pour les deux rangées de jetés. Donc maintenant il me reste à faire la troisième répétition, donc je vais vous laisser découvrir dans une prochaine vidéo comment est-ce que je vais l'avoir agencé. Donc voilà où en est mon châle actuellement et je suis vraiment ravie du résultat. Voilà pour cette petite vidéo short and sweet. Demain, c'est ma dernière journée de vacances. Je ne sais pas encore si ça va être balade au Québec ou repos tricot à la maison. Mais dans tous les cas, je vous emmènerai avec moi et je pense que je vous ferai une petite vidéo, quitte à ce qu'elle dure juste quelques minutes comme aujourd'hui, pour vous retenir un petit peu au courant de mes avancées. Aujourd'hui, de nouveau, je portais mon... Comment on appelle ça? Mon pull sans manches chanterelle de Sarah Blow qui est disponible depuis peu sur Ravelry et qui existe aussi en version manche longue avec un très joli détail au niveau des poignets. Voilà! Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!